Oui, c'est particulier, tout à fait. C'est là où notre sport a commencé. Il y a une histoire pour les judokas qui est un peu plus incroyable. Je crois que n'importe quel judoka ou quelqu'un qui a un sport avec une histoire dans le pays organisateur a envie de réussir, a envie de créer sa propre histoire, a envie de laisser une trace, a envie de réussir là-bas. Je crois que moi, j'ai la première fois que dans ma carrière, j'avais gagné un titre de champion du monde à Tokyo, j'étais hyper content. Donc là, c'est devant nos pairs, devant un public connaisseur. Top. D'ailleurs, le public remporté à Tokyo pendant cette période un petit peu compliquée. Forcément, ça aura un double jeu, un double impact. Et c'est une fierté pour nous, en tout cas, judoka. Peut-être de toute façon, puisque Tokyo, c'est une ville, je crois que beaucoup de monde aime. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup parce que c'est là où j'ai toujours répété mes gammes. C'est là où je crois que j'ai passé le clair de mon temps durant mes préparations, durant mes stages. Bien sûr, l'expérience, c'est ce qui fait la différence aussi sur les grands moments. Donc du coup, oui, l'expérience des précédents Jeux Olympiques va m'aider. Mais de toute façon, il faudra quoi qu'il arrive, livrer bataille. Suis pas forcément le vieillard de la bande, quand on aime, on est amoureux de son sport et qu'on a envie de pousser les sommets et les records, on s'en fout de l'âge. Hein. On s'en fout de l'âge, on fait advienne ce que pourra. Moi, c'est comme ça que je fixais de nouveaux challenges. C'était ça durant cette Olympiade. Être dans n'importe où dans le tableau. Pour moi, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Parce que de toute façon, à l'époque même, j'étais plus. Même quand j'étais invaincu, j'étais plus numéro un mondial, donc je tombais n'importe où dans le tableau et ça m'empêchait pas de gagner le championnat. Jusqu'à maintenant, en championnat, je suis invaincu. On parle d'une défaite en tournoi. En championnat, jusqu'à maintenant, je n'ai pas perdu depuis je ne sais pas combien d'années. Donc l'invincibilité, elle est toujours là. Maintenant. De toute façon, à chaque fois qu'on arrive sur un championnat, il faut remettre les pendules à zéro. Parce que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle compétition.